Bonjour YouTube, bienvenue sur cette VOD sur Ori, c'est la troisième si je me trompe pas. La dernière fois on était à un niveau je crois, de débloquer le triple saut. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on l'aura. Commencer la partie, on est à 33% du jeu. Alors je sais pas ce que ça représente 33%, si c'est 33% de l'histoire, ou si c'est 33% du jeu, si c'est 33% du 100%. Je pense que c'est 33% du 100%, je crois que c'est un autre jeu, c'est... Il y a un jeu... Un jeu qui est pareil, mais qui est noir. L'ambiance est très très sombre, c'est à moitié des ombres. Ce jeu-là, je crois qu'il finit à 110% ou 115%, je sais plus. Hollow Knight, ouais. Mais du coup, lui, je pense que c'est un jeu où ils se sont dit... Ils sont pas inventé des délires où le maximum, c'est 110%. Alors attends, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Ah oui. Alors, on avait terminé l'arbre, et je crois qu'on avait... On s'était retrouvé ici, on avait nettoyé l'eau aussi. Et donc l'eau... Oh là là, on a accès à des monts tout terrain. Donc ouais, on peut nager, je crois que j'ai pris une capacité qui permet de respirer sous l'eau. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on avait pris ça. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une barre de vie sous l'eau. Bah attends, il y a peut-être un secret par là, on va y aller. Non, il n'y a pas de secret. En bas, non? Alors si je regarde la carte... Ah, il y a un secret, il y a un truc là-bas sinon. Vous voyez à droite. Et je pense qu'on y va en cassant le truc en pierre, donc ça va pas être possible. On va descendre. Ah, c'est stylé. Première fois qu'on nage vraiment dans le jeu, enfin... qu'on fait vraiment à se balader en nageant. Attendez, là ça sent le secret là, non? Ouais, c'est bien ça. Ok. Ah, j'avais oublié, oui, c'est un jeu où faut se garder toutes les deux secondes. Il faut que j'y pense aussi. C'est juste de l'XP? C'est juste de l'XP. Ah bah, ah oui, non, du coup c'était pas là. Alors déjà, je me rappelle du bouton pour sauvegarder, ça doit être B. Oh, on va peut-être crever. Attendez, faut... Il faut que je remonte à la surface et que je sauvegarde. On va aller... Attends, on va remonter tout en haut en vrai. J'ai pas envie de prendre de risques. On a qu'une vie et j'ai looté 3 trucs. J'aime pas perdre ce que j'ai fait même si c'est que pour 3 trucs. Donc on sauvegarde. Boum. Allez, let's go. En plus ça nous donne... On a bientôt le niveau 3 en vrai. Qu'est-ce que le jeu est beau par contre. Quel plaisir quand même. C'est assez fou ça. Bon, lui on l'a tué. On attend que ça claque. Et là ça déclaque, go. Ok. On va descendre ici je pense. On peut remonter là. Je vais sauvegarder ici, je pense. Attends, comment on fait pour... Y a pas un moyen pour se téléporter sur les mobs? Il y avait un truc comme ça. Oula. Attends, je pense qu'on va... Ok. Il y avait pas... C'était quoi le... Je me rappelle plus du bouton parce que la dernière fois qu'on a joué... Oula. Ah ouais mais non, du coup ça tue ça, d'accord. Bah c'est pas grave, on avait sauvegardé avant donc c'est pas trop un problème. C'est bon, hop là. Ici y a rien. On a une morceau de carte, un morceau de carte, c'est cool. On va sauvegarder et descendre. Boum. Allez go. Non, non. Oh, je pense que ça passe. Nickel. C'est quoi ça? Un caillou. Super. Y'a pas de secret par là? J'ai pas l'impression. Très bien. C'est que c'est marrant comme question. Vous êtes beaucoup souvent à poser la question, est-ce que le jeu est payant? Ça m'embête de devoir, à chaque fois qu'on joue à un jeu, de devoir écrire à la fin de la commande du jeu... Oui, ce jeu est payant. La plupart des jeux auxquels on joue, oui, sont payants. Tous les jeux sont souvent payants. Je sais pas, je trouve ça bizarre comme question de devoir poser cette question-là, mais... Après, c'est cool, ça veut dire que vous vous intéressez au jeu, vous avez envie d'y jouer, mais bon, bah... Est-ce que le jeu est payant? Oui, il est payant, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question, je sais pas quoi faire pour ça, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas comment dire. C'est le genre de question... Avant, les questions que vous me posiez souvent, c'est...
C'est quoi ta manette? Bon, là, je me dis, bon, d'accord. C'est pas forcément facile de savoir quelle est ma manette, puisque c'est une information que j'ai moi-même et que vous pouvez pas avoir en regardant sur Internet. Mais bon, savoir si le jeu est payant, bah, il vous suffit de taper le nom du jeu sur Google et vous savez s'il est payant. Après, d'un autre côté, vous êtes sur un chat en train de discuter avec des gens. C'est quand même sympa d'avoir le côté communautaire, discuter avec des gens. Et donc, du coup, pouvoir poser des questions, avoir des réponses. Mais le truc, c'est que les questions qui sont tout le temps les mêmes, comme celle-ci, est-ce que le jeu est payant? C'est le genre de question qui... C'est trop redondant et je trouve que c'est très peu pertinent comme question. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Oui, il est payant en tout cas, du coup. Alors. Ouais. Ça se casse pas. Et... Boum. Salut Sullivan, comment tu vas? Eve, t'es un garçon? Ouais. C'est vrai que ça, ouais. C'est vrai que ça, c'est, ça peut pas se voir forcément directement là comme ça. On peut se dire putain. Lui, il a une bonne gueule de fille. Mais malheureusement, non. Je ne suis qu'un garçon. Ça arrive, hein. On peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait, oui. M'a éclaté. Oh non, j'ai oublié de sauvegarder. Quel jeu de... C'est le jeu qui te force à sauvegarder alors qu'il pourrait te sauvegarder tout seul, oui. Bon, hein, on est habitué aux défauts du jeu, on va pas forcément les remonter à chaque fois, hein. On a autre chose, on a des choses bien plus pertinentes à dire. Comment ça va mon BG? Alors ton avis sur le jeu, banger t'as vu? Banger, bah dommage le système de sauvegarde quoi, mais sinon c'est parfait. Hein. Bon, le jeu est très beau, hein. Le jeu est beau, les musiques sont bonnes, donc ça nous permet d'excuser les défauts... Les défauts qui sont liés à une frustration énorme à chaque fois qu'on y joue, mais sinon... sinon oui, il est bien. Quand vous venez sur ma chaîne Twitch... Si vous allez voir des cassos sur Twitch, n'hésitez pas à dire de la merde, parce que bon, vous allez voir des cassos, c'est pas grave. Mais chez moi, je vous invite à être pertinent quand vous envoyez des messages. Venir dire de la merde, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Là, bon là, ça fait 3-4 fois que je vois des messages un peu débiles dans le chat. Faites-le ailleurs. Ne le faites pas chez moi. Si vous aimez bien dire de la merde avec des gens qui aiment bien quand on dit de la merde, il n'y a aucun souci. Mais chez moi, je pense qu'on cherche plus à être mature. Je cherche plus à avoir des gens matures plutôt que des gens qui aiment bien se distinguer par leur médiocrité. Si vous voulez un avis général sur la chose. En tout bien tout honneur, bien évidemment. Enfin, je ne vous juge pas. Je vous juge quand même vachement violemment, mais c'est tout quoi. C'est tout. Je suis mort! Je suis mort! Je suis pas mort. Je suis pas mort. Yes. Alors, réfléchissez un peu quand vous en venez. Mais ils ont réfléchi, hein. C'est juste, je sais pas, ils se trouvent marrants. Donc la team des coiffeurs, vous pouvez bien aller vous faire foutre, hein. Ça, je vous le dis directement. Et puis la team des gens qui font de l'absurde, histoire de faire de l'absurde. L'absurde, c'est bien, mais quand c'est bien géré, que c'est bien dosé, que c'est dans un contexte, l'absurde, sinon, ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Allez. On va se distinguer sur la beauté de ce jeu. Hein, la poésie des belles choses. Dites-moi si je suis trop cassant ou trop direct. Hein. Je changerai pas. Je changerai pas. Salut, c'était bien Dofus hier. Je n'ai pas pu voir le live. Ouais, c'était cool. Bah, en vrai, Dofus, ce qui est chiant, enfin. C'est que. Bah, en fait, c'est un live où personne ne parle. Arrête, Marius! Oh! Non! Arrête ça! Attendez, excusez-moi. Marius, s'il te plaît. Bon, vous voulez voir Marius? Je vous le montre 2 secondes et après je vais le calmer. C'est Marius, il est chiant là, juste tout de suite là. Il a décidé de venir me bouffer le pied. Calme-toi, calme-toi. Faudrait une technique pour le calmer, genre un gros coup de poing dans la gueule, et hop, assommé, il dort pendant 2 heures. Calme-toi. Calme-toi. Non. Arrête. 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 Tu lèches. Tu lèches, mais tu meurs pas. Ouais, il est trop con. Bon. Alors, hop, au moins vous l'avez vu.
Mais maintenant il est un peu excité parce que du coup je lui ai fait un câlin alors qu'il était excité. C'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. C'est récompenser le mauvais comportement. Je vais aller juste l'enfermer 5 minutes histoire qu'il se calme. J'arrive tout de suite. Nickel. Hop. Et quelle heure? 16h19, faites-moi penser avant 16h25. Que j'aille le sortir en espérant qu'il se calme. Alors, qu'est-ce qu'on voulait nous? Attendez, je vais mettre bien là. On a sauvegardé, je pense. Oui, je vais re-sauvegarder au cas où. Ok, ça c'est good. Ah merde. Ok. Aïe aïe aïe. Ok, hop. Maintenant j'ai hésité. J'ai hésité à lui mettre un ban long ou ban perm. Mais là en vrai, quand vous êtes saoulant, en vrai j'ai pas de patience. Hein. Là je lui ai mis un perma à l'autre. Je sais pas si vous avez vu son message. C'est un peu lourd des fois à certaines personnes. Hop là. Ok, c'est bon, on a. Nickel. Ok. Ils ont quoi aujourd'hui? Je sais pas. Ça arrive des fois. Mais c'est parce que c'est les vacances, non? Le brevet, c'est fini, ça y est, on a tous les... On a tous les 10-12 ans qui s'excitent. Ah non, mais le brevet en fait c'est même pas à 12 ans. Ouais, je suis con, mais le brevet t'as au moins 14 ans quand t'es au brevet. T'es pas censé être aussi immature que ça. Non, moi je sais pas en vrai. Ça doit être la fin des périodes. Des périodes de primaire, je sais pas quoi là. Leur prof de CP elle veut plus d'eux, du coup bah ils sont obligés de. Leurs parents veulent plus d'eux non plus. Du coup, les parents, ils m'envoient leur gosse mal éduqué, là. C'est chier, quoi. J'ai jamais signé pour être... Pour être, comment ça s'appelle? Nounou, quoi. Je suis pas nounou, moi. Ok. Boum. Allez. Ok. Allez. En plus, ce qui est chiant, c'est que les réflexions que je fais là, les gens qui nous regardent sur YouTube, ils doivent pas comprendre parce qu'ils ont pas le chat. Du coup, ils me prennent juste pour un connard qui insulte tout le monde. Fais chier quoi. Je passe pour un trou de balle. J'aime pas ça, moi, être un trou de balle. Hein. On peut pas aller là-bas, on est d'accord. En fait, je peux pas aller plus loin là. Comment on pourrait aller plus loin? Nous pareil, vu qu'on n'a pas eu le temps de voir les messages. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un cooldown de 5 secondes. Souvent on banne avant 5, enfin on supprime avant 5 secondes. Bah je pense qu'on va aller vers le bas. Bah, c'est pour ça que j'essaie de mettre toujours le contexte un peu quand j'explique. Mais après j'ai pas envie de mettre en avant les mauvaises choses. Hein. Lire les messages que j'ai pas envie de voir, c'est les mettre en avant. Mais je devrais pas réagir à ça, mais... Quand il y en a beaucoup, c'est un peu lourdeau. Ça fait du bien de m'exprimer, enfin de... Alors ça faut le péter. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de... Ouais non je pense pas. Bah je pense que ici c'est pas encore fait pour nous, non? Je pense qu'on va aller ailleurs. Je pense hein. Alors à gauche, apparemment à gauche il y aurait des trucs. On va aller voir. Oh c'est stylé les petits jumps là.
Oui. J'arrive pas à la tirer. C'est trop dur. Mais viens là, fils de con. Bon, c'est pas grave. J'ai eu une carte déjà, c'est pas mal. Bah, je pense que je peux pas le tuer lui, hein. Il est vraiment trop malin pour moi. Trop, à la fois trop rapide et trop malin. Est-ce que je peux grimper là? Hop là. Hop là. Salut boss. Slug qui vient d'arriver, c'est quoi le but du jeu? Point d'exclamation game. Merci Pauline, tu gères. À chaque fois qu'on joue à un jeu, à partir de maintenant, point d'exclamation game. Et vous aurez les réponses à vos questions. Bah je sais, je pense pas. En fait ces trucs là je sais pas comment les péter en vrai. Normalement on est censé les péter avec des objets qu'on balancerait tout. Mais oui je suis mort. Oh non du coup je perds ma sauvegarde. Aïe aïe aïe. Scrogneugneu. Il est 25 je... Merci pour Marius. J'arrive. Je me suis étouffé avant de partir. Je bois un coup d'eau. Ouf. Nickel. Il s'est calmé, je pense qu'il boude. Bah oh, je sais pas. Des fois il boude. Mais en vrai il m'aime bien dans le fond donc ça va. Les prouesses on en a pas beaucoup, on a même pas la moitié des prouesses. Ça veut dire qu'on va... Enfin les prouesses je pense que c'est les capacités. En fait, il peut pas venir ici. Il veut pas venir en fait. C'est trop dur. Mais c'est vraiment un enfoiré en fait ce truc là. Je sais pas comment le gérer. C'est vraiment trop difficile. Genre il court trop vite. Et il veut pas venir quand il est trop proche de l'eau, je crois. Mais de toute façon, y'a rien à faire là-bas, je crois. À part choper la carte. Je vais juste choper la carte et puis. Alors, je sais pas quoi faire en fait. Ah, y'a un Y là-bas. On peut pas le prendre? Je sais pas ce que c'est un Y. Salut, Ornithorynque. Comment tu vas, Ornith? Il est tellement cul que personne l'a oublié. Attends, qui? Marius? Ah non, c'était pas un point, c'était une sauvegarde. Ok. On peut aller sous l'eau, aller chercher un point. Ah bah non, c'était bloqué, on avait déjà essayé, je crois. Ah, il y a un mur visible. Bon. Je pense que la solution à ce problème, ça va être de se barrer. Hein. On va retourner dans une autre zone. C'est quand même bizarre quand même qu'on ait débloqué cette zone qui nous ait mis là, mais que je sois incapable d'avancer. Qu'est-ce qui me manquerait? Ah si, je crois savoir. Mais c'est bon, je suis bête. Enfin, je suis pas bête, mais j'ai pas réfléchi assez longtemps. Ah, attendez. J'ai envie d'avoir la solution à mon problème. Ah mais je voulais... Ouais, je voulais jump sur le truc mais j'ai pas réussi. Oh c'est chaud. Pas très précis là. C'est que ça doit être magnifique à regarder en speedrun hein, ce genre de jeu. Surtout qu'ils doivent tellement faire des skips de l'espace. Et là, quand on voit le gameplay, on sent qu'il y a moyen de douiller le jeu. Un jeu à douille. Ouais, c'est juste ça qu'il fallait faire. Alors là, je veux juste... Ouais, c'est bon. Ah bah nickel, on a trouvé un truc.
Le jeu est quand même vraiment beau, un plaisir, mais carrément. Ilo, le plus robuste des esprits, le plus puissant qui soit, devenu cet arbre ancestral. Il repose désormais ici. D'accord, merci. Ici, il y a quoi? Juste ça. Y'a rien d'autre? Ah par contre, ici, là, je pense qu'il y a un truc, non? Non. Il ouls, Gégos, il sort pas? Ici, c'est quoi? Y'a rien? Ok, bon. Nickel. Alors c'est bizarre qu'il soit pas sorti le machin. Je suis bloqué là, non? Je vois pas comment je peux m'en sortir. Pourquoi? Non. Ah je pense que je sais. Ah je peux pas. Ah si, faut que j'aille jumper sur le mur. Ok, d'accord. Assez haut. Ça je pense que c'est pareil, c'est pas prévu. Ah c'est pas prévu. Ah si, peut-être en vrai. Ah on peut pas monter là-dessus? Ah d'accord, c'est pas un truc qui s'escalade. C'est quoi qui me bloque en fait? J'arrive pas à comprendre. Non bon bah... Je vois pas comment avancer là. Qu'est-ce que j'ai débloqué en faisant ça? Ah je l'avais pas fait, merde. Trop bête. Et c'est là où je vais débloquer un truc. Je suis trop débile. Je vais débloquer quoi? Tu maîtrises à présent la compétence écrasée. Pour appuyer au... Attends. Pour l'utiliser, appuie sur A pour rebondir dans les airs, puis sur bas pour plonger au sol. Ok, c'est la Dac Rodeo. Oh stylé. On va tester hein. Ah mais ça veut dire qu'on peut péter ça? Ok. La caméra... Ah d'accord, prenez pas... Ok, ça tape en zone, c'est vraiment puissant. Trop puissant mon gars. Bah nickel. Ça nous donne un moyen de tuer le rhinocéros de tout à l'heure. Ok. Voilà. Bah en vrai, je vois pas comment monter en fait. Donc, je pense qu'on va vraiment revenir en arrière. Ça me paraîtrait être la solution. Enfin, en... Parce que ici en vrai on est d'accord, je peux pas y aller. Bah, je peux rien faire ici. Hein. Ok. Ok. Alors. Salut Sarah. Comment tu vas, Sarah? Peut-être parce que c'est plus sombre et le lire est plus stylé. Ah, Hollow Knight! T'as déjà fait Hollow Knight? Sinon, je te conseille vraiment, c'est dans le même esprit. Ouais, je sais, mais du coup, on va attendre. Enfin, on va pas faire les deux en même temps. Mais non, j'ai pas fait Hollow Knight. Bon, j'ai failli crever. Enfin, en tout cas, j'ai perdu beaucoup de vie. Donc, ça, c'est fait. Et là, on peut descendre là. Non, c'est pas possible. Très bien, bon du coup, retour à la case départ. Ah si, pardon, il y a un truc là-bas. Regardez sur la carte juste ici, là. Je pense qu'on peut péter le truc avec notre attaque au sol. Salut, ça va.
Ok, très bien. Ok, un level. Et bah on va carrément mettre un point de sauvegarde ici. Et on va acheter le triple saut. Permet d'exécuter un troisième. Attends, le prochain truc c'est quoi? Réduit les dégâts infligés par les ennemis. Ça peut être sympa. Sinon on pourra commencer à booster les autres paliers. Là c'est quoi par exemple? Les bonus de vitalité récupérés octroient 2 fois plus de vie. Ça peut être pratique. La plupart des bonus sont récupérés automatiquement. Ça peut être pratique. Pour un point ça va. Les bonus d'énergie récupérés octroient. Attends, je veux voir les trucs dans le dernier palier. Ori est capable de déceler les zones cachées. Donc ça peut vraiment être sympa. Les cellules d'énergie s'affichent sur la carte. Les cellules d'énergie. D'accord. Ensuite de vitalité. Ouais, ça peut être pratique. Fission de flamme ultra. Augmente encore davantage les dégâts de flamme spirituelle et permet de toucher jusqu'à 4 cibles. Tous les paliers sont bons à monter. Là, je pense qu'on va essayer de tout monter de façon cohérente. Enfin, petit à petit. Dès que je gagne un point, je pense qu'on va monter ça. Permet de lancer 3 flammes avant de pouvoir recharger. Booster tout ça. Là, je vais. Là, parce que. Ça, je suis pas sûr de le prendre. Attends, c'est quoi? Réduit les dégâts infligés. Quand même, les dégâts infligés, mais je sais pas de combien de pourcents ça réduit. Attends. Ah ouais, ça fait double dash, c'est abusé. Bon, ça veut dire que. Attendez, je veux juste tester, voir ce que je peux faire avec. Est-ce que je peux monter au-dessus de cette branche? Non, pas vraiment encore. Oh, le changement est pas forcément. Ça va pas changer. Si, je sais pas si ça va révolutionner notre gameplay. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir cette option. Trouver le sceau de Gumon caché dans les bois brumeux. Bon, faut qu'on se barre. Hein. Non, on peut pas rester ici. Alors, par contre, comment on part de là? On est bloqué, non? Comment on se TP? On est obligé de prendre un téléporteur. On peut pas partir là. C'est-à-dire qu'on est. Et le téléporteur, il serait où? Je vois pas comment je peux partir. Ah, il est pas là? Ouais, mais non, mais ici, je peux pas y aller. Il faudrait que je casse ça, là, mais je peux pas le casser. Ah, d'accord, il y a ça. Nickel. On a trouvé un secret. Très bien. Donc là, ah oui, du coup, ça devrait le faire, là, non? Là, je pense que ça se casse. Ok, nickel. Ah, par contre, ça se casse pas. Ouais, donc ça marche pas. J'ai déjà un point de compétence. Mais du coup, ça non plus, ça se casse pas. Il y a un chemin, là, sous l'eau, à gauche. Non, je vais aller voir. Ici là, on n'a pas été. C'est marrant, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait en fait. Je suis pas très fut-fut. Hein. Je suis pas fut-fut boy quoi. Ok. C'est du fouine. Ok. Il y a quoi ici? Il y a rien. Pas un secret qui traîne. Salut Fionek, joue. Ori, ce n'est pas très fort pour les déplacements verticaux. Ouais, c'est vrai. Par contre, à l'horizontale, oui, c'est sûr qu'il est capable d'aller très loin. Attends, je veux juste vérifier, il n'y a pas des trucs planqués. Non. Là, le saut, ça devrait le faire. Avec le triple saut en plus. Là, pour aller jusqu'en haut, bah, je pense qu'on va pas s'embêter. Ah, d'accord, ça, on peut le. Moyen, non? Moyen, non? Je suis sûr qu'il y a moyen. Je te regarde encore un petit peu. Voilà, nickel. Bon bah. Ça nous change. Ça nous ouvre des tonnes de portes en avoir du coup le triple saut. Parce que ça, j'aurais jamais réussi en double saut. Ok.
On avait déjà été ici, je crois. Par contre, fallait monter. Ah bah d'accord. Ok, ça c'est good. Est-ce qu'on peut traverser? On va essayer. Attends, fais une petite sauvegarde. Voilà. Ok. Très bien. Et bah du coup on a fait le lien, on est revenu ici. Alors du coup je vais aller en haut à gauche là, ça me plaît. Ok. Merde. Non c'est pas là, je crois pas. Attendez, hop. Non. Ah c'est le laser magique, alors attendez, on va sauvegarder avant. Je voudrais pas mourir. Hop, putain, Godot, dit gars. J'ai envie de recommencer 10 fois. Enfin, je vais sauvegarder du coup. Ah, j'ai pas. J'aurais pas dû sauter. Ok. Parfait ça. On a fait ça, nickel. Non, je pense qu'on va pouvoir grimper là. Nickel. On peut escalader là ? Y'a rien. Y'a rien. Ok. Alors, juste que je réfléchisse 2 secondes. Ici, on aurait tout fait. Là-bas, on va aller jusqu'ici, il y a un point sympa et là il y a une partie de grotte qu'on n'a pas faite, on va y aller. J'ai un peu peur des monstres, on est full life, ça devrait pas être trop dangereux les monstres. Cellule de compétences. Ah, à la limite, faudrait que je booste mes compétences. Ah, attends, juste, je veux voir s'il n'y a pas un secret par ici. Bon, tu vois, je regarde tes VOD. C'est vraiment cool de te voir en stream. Bienvenue, Roulos. Bienvenue à toi. Je pense que c'est bloqué par ici. Hein. Ok. Parfait, ça. On n'a plus rien ici. On va continuer à droite. Hein. Je vais sauvegarder, je vais acheter des compétences. On peut pas. On va se mettre là. On va acheter du coup... Alors soit j'attends encore un point et j'achète ça. Ultra défense. Réduit les dégâts infligés par les ennemis. Je sais pas en vrai. Bon, on a le temps en vrai. Pour l'instant on prend ça. Vous lancez 3 flammes. Augmente la puissance de la flamme spirituelle. On va taper plus fort. Et après on boostera ce qu'on choisira. Ce qu'on voudra. Ah oui, d'accord, on sent les dégâts là. On sent la patate là. Ça lance plus de trucs et ça tape plus fort, c'est vraiment efficace. Enfin, c'est... Ah, je pense qu'il y a moyen de monter là. Ok. J'aime bien pouvoir refaire ce qu'on a déjà fait, mais du coup y arriver plus facilement parce que... Ah, du coup y arriver tout court. Plus de vitalité, ça fait plaise. Alors est-ce qu'on peut monter tout en haut? Je crois pas. Hein. Ça fait haut là, ouais. Hop là. En vrai, l'ultra défense, t'es en normal donc ça va. Ah oui, d'accord. Ouais, vaut mieux faire plus de dégâts plutôt que mieux se défendre. C'est vrai que là, niveau vie, on n'est pas forcément trop souvent en danger. Bien que parfois. Y'a rien à faire ici, c'est marrant parce que j'ai l'impression... Ah non, c'est la fin, ok.
On remonte, hein. Je sais pas trop ce qu'il y avait ici. On va aller là-bas. Là, de l'autre côté, du coup, hop. Nickel. Très très bien. Ah, ça! Bah, du coup, je pense qu'on va juste attendre un blop. Ils sont bas, hein. Ils sont trop bas pour nous. Y'a pas un monstre qui peut nous attaquer par au-dessus? Ah, ça, non. Je comprends pas comment ça marche, les trucs là. De toute façon, c'est une capacité qu'on aura plus tard. Parce que là, je comprends pas. Ça me paraît bizarre que ça serve à rien. Ouais, c'est bizarre. Non, trop chelou. Et ça, du coup, je peux pas l'enlever. Mais je pense que c'est un pilier à retirer. Mais comment on pourrait retirer ce pilier? Je crois pas qu'on puisse. On va où là si je vais là? Il y a peut-être une partie sombre ici à aller visiter. Vas-y, on se fait la partie est de la map en vrai. Ouest. Il reste des trucs. Ouais, quoique. Il reste tellement peu de trucs que vaut mieux attendre d'avoir de nouvelles capacités avant d'y aller. Pour débloquer de nouvelles choses. Faudrait qu'on aille là. Je sais pas si c'est possible, mais là. Dans la zone sombre. Donc on va redescendre. Ok, go. C'est quoi déjà là-bas? Ah d'accord, c'est ma sauvegarde. Très bien. Ah c'était là que je voulais aller. Okay, on va y aller. Ok. On n'a jamais été ici, c'est bizarre quand même parce que c'est pas dur à accéder. Ah maintenant on a de l'eau potable ici donc c'est parfait. Avant on pouvait pas y aller parce que c'était moisi. Et là ça va nous relier à là où on était bloqué tout à l'heure, nickel. Vérifie s'il n'y a pas des secrets. On voit pas. Du coup si on revient ici, qu'est-ce qu'on peut faire de là? Si je remonte là j'arrive où? D'accord, là il y a un passage. Mais je peux pas monter tout en haut là? Non, c'est bloqué, d'accord. Du coup, cette partie de la grotte. Ah oui, c'est. D'accord, c'est le truc que j'arrivais pas à enlever. Ah, mais du coup, il y a plus d'eau ici. Puisque j'ai descendu le niveau de l'eau, donc faut que j'y aille. Ok. Oula. Donc là dans l'eau je vais éviter d'y aller. Ah oui on était déjà monté ici. Je suis bête mais on l'a déjà fait. Mais dans l'autre sens. Très bien. Enfin je suis bête. Pas bête mais j'avais oublié. Du coup où est-ce qu'on va? Bah limite on a fait beaucoup. Il y a pas grand chose en tout cas. Enfin en tout cas sur la carte il nous affiche pas de trucs faisables. Donc il serait temps. Ah ça, regardez. Là il faut 4 trucs. Faut qu'on aille là-bas. Et comment on y va? Et bah en allant tout droit et en descendant à gauche. Ok. Là on descend, c'est ça? Ok. Attends, la grotte elle est un peu sombre ici, je veux juste voir s'il n'y a pas... Non c'est bon, il n'y a rien. Moi je pense pas en vrai. Bon, je vais quand même essayer. Il n'y a rien, hein. Dommage. Ah quoique. Non, dommage. Allez hop. Une sauvegarde à droite, je crois. Ah, c'est une fontaine. Vas-y, je la prends. Nickel, sauvegardez. Le Blacklight.
D'habitude, je lurk le live sur le chat et je vois que les enfants sont sortis. Courage F et les modos. Oh, ça va en vrai, ça s'est calmé, non? Ça l'était un peu tout à l'heure, mais là, ça va. Deux, trois remarques et puis ça se calme. Je pense. En vrai, là, ça va. Je suis pas à se plaindre, quoi. Ah, vous pensez qu'il y a moyen de monter là? Y'a pas moyen là, je pense. Mais du coup, on l'a déjà fait ce tour là. On l'a déjà fait, mais du coup, on n'a pas été là-bas. Oups là. Bon, ça va. Oh merde! Okay. Ok. Là, on va à gauche. Sacré, non, il n'y a que d'elle. Hop là, et on va essayer d'aller par ici. Oula. On a déjà été là apparemment. On peut pas aller au-dessus, donc... Attends, je vais voir en dessous s'il n'y a pas moyen d'y accéder. C'est pas cette porte-là que je voulais. Ah, il y a deux portes, d'accord. Alors, je vais sauvegarder peut-être ici. Et j'ai un niveau à prendre. Alors qu'est-ce qu'on prend? Les bonus de fidélité récupérés octroient deux fois plus de vie. Accroît le rayon et les dégâts de la flammatisée. Oh, c'est pratique ça. Ok. Attends, y a pas un secret genre ici? Non. Et là? Non. Genre de jeu où tu fonces dans les murs pour savoir s'il y a pas un secret. À la Dark Souls. Alors attendez, pour arriver jusqu'en haut, je pense qu'il doit y avoir un passage secret qui est là, dans une zone dans laquelle on peut pas encore accéder. Si, on pourrait y accéder, je pense, en passant par là, et par là, et pour aller là, il faudrait que je retraverse tout. On ira plus tard du coup. C'est beau. On est où là? On a déjà été? Ah oui, on connaît cette zone, d'accord. Juste on était bloqué la première fois qu'on y était arrivé. Ouais, on va pas y aller du coup. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Et là, on va voir cette porte. Ah, par contre, j'ai pas assez de bleu. Il me faudrait des bleuets. On va aller en... Ah. C'est bugué ça, non? Y'a un bug? Alors faut qu'on en trouve des bleus, il nous en manque un. Ici y'a... C'est revenu? Non, toujours pas. Oh non, je suis mort pour rien. Bon, attends, c'est pas grave. T'as vu la grenouille? Elle est pas là. On a déjà été ici. Hein. Ok. Ici, y'a rien. C'est juste ça. Hein. Ok. Y'a pas d'autres trucs bleus? J'ai quand même pas allé me refouler loot bleu pour juste
Bah si, je pense. Un peu dommage. Ouais, dommage. On y va. Et hop, on garde. Go. Le jeu est sur Switch. Ouais, je crois qu'il est sur Switch. Et que pense du jeu? Je le déteste. J'adore jouer à des jeux que je déteste. Et celui-ci, vraiment, je le hais du plus profond du cœur. Je trouve que les musiques sont nulles, que l'ambiance visuelle est très moche, et que le gameplay n'est pas du tout agréable. Et du coup, qu'il ne vaut absolument pas la peine d'être acheté, bien évidemment. Allez, let's go. Oh, j'ai eu du bol. Enfin, j'ai eu du bol. J'ai réussi à le brain, le master brain. Ah, on peut y retourner là, peut-être là. Non, toujours pas. Okay. Ah non, c'était une bille d'XP complète, je crois. Boum. Ah. Ah, c'est juste pour ça. Très bien. Oh, regardez, là, il y a une carte qu'on n'a pas eue. J'ai envie d'y aller. On y va. Je sais même pas que ça sert les cartes en vrai. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas compris encore. Là, ce serait à droite, du coup. Elle est là, hein. Non. C'est où l'entrée? Ah, c'est plus bas, d'accord. Très bien. Ah, d'accord, c'est bloqué ici. Ils auraient pu le mettre, en vrai. Les bâtards, ils mettent pas sur la carte que c'est bloqué. Comment on peut enlever ça? Il faudrait arriver par un autre endroit. Ah, ok, le pilier, il est juste en bas. Et comment on peut arriver dans cette zone? Ah, peut-être que... Ah, à mon avis... Je sais pas. Alors, je vais voir si on peut par en bas à gauche. Ça me paraîtrait... Soit c'est là, soit c'est par la gauche, vraiment. Ça sert à rien de remonter ça, si. Non, ça sert à rien de remonter ça. Bah, je crois pas, j'espère pas. Pas un secret, là? Non. Là, y a pas un secret. Bon bah, je pense que je ne pense pas. Donc on remonte tout en haut. Ah, quoique, les cartes ça permet de se téléporter. Non, je suis pas sûr. Hein. Alors pour remonter, bah, je pense. Attends, on va essayer d'aller en bas. Là. Je peux me TP d'ici ou pas? Non, c'est pas un téléporteur ça. Aïe! Donc le prochain téléporteur. Ah oui, j'aurais jamais dû descendre jusqu'ici. Faut que j'aille tout à l'est, je crois. Ça doit être un TP, ça. On peut monter, est-ce que c'est intéressant? Ça nous mène ici, on peut remonter jusqu'où? Ah bah si, on peut remonter par là, d'accord. Ah, je suis pas sûr que j'y arrive. Ah si, c'est bon, nickel. Ah, c'est bien le triple saut, putain. Ok. Le truc où tu vas, c'est l'endroit où du pouvoir, c'est pas un TP. Ah ouais? Ah merde. Bah du coup, on y va pas, tant mieux. Là, y'a pas un truc? Allez, on l'a déjà eu, ok. Attends, y'a pas un deuxième secret? Non, je crois pas. Ici, c'est good. Ah,
Ok, on peut remonter. Alors attendez. Donc là, on aurait tout fait, enfin, plus ou moins. Il manquerait que cette zone-là qu'on peut pas faire parce que je ne sais pas comment y aller parce que c'est bloqué. Du coup, il y aurait de la vie ici, on peut pas la prendre. Il faudrait qu'on change de zone en fait, complètement. Mais du coup, il faut un TP. Et le TP, du coup, il est. Il est là, hein. C'est ça, je crois. Ça ressemble à un TP, ça. Allez, go. Téléportation. Salut Alxios. Comment tu vas Alxios? On a fini à 100% l'orbe de Ginzo, c'est cool. C'est à 97, là 92. On n'y a pas un truc qu'on n'a pas fini, pas beaucoup. Le bosquet est creux, 57%. Allez, montons-le au moins à 90%, ça serait cool. Allez, ouvre ton émote. C'est une émote de chez Nejda, putain, incroyable, elle est trop belle. Ding-dong. Ah, il y a un truc à 4 ici. Mais je vois pas comment y aller, si par là. Donc on va à gauche, go. Alors déjà, ici là, on peut pas le passer ce truc là. Ah si. La vallée des vents. La vallée où quand il va, quand tu parles à quelqu'un, la personne ne te répond pas. Là, ça se casse pas. Non. On veut pas qu'on meure. J'ai deux niveaux encore. Alors attendez, soit je booste les bonus de vitalité récupérés ou 3 deux fois plus de vie, plus la plupart des bonus sont récupérés automatiquement, ou la flamme spirituelle touche deux cibles en même temps, plus augmente la puissance et le rayon d'éclat de lumière. Je sais pas, tout est bien en vrai. Ah, je prends ça et ça, non? Attends, c'est quoi le plus important? C'est... Ouais, déceler les trucs cachés les murs, faut qu'on monte vite fait cette compétence-là. Ok. Est-ce que si je monte, il y a quelque chose? Il y a du bleu. Ah, d'accord. Si, il y a un truc important, là. Ok. J'ouvre une porte en haut à gauche, très bien. Je note dans mon calepin. J'imagine que ça ouvre pas d'autres portes, hein. Ça doit pas ouvrir derrière moi. Attends, je vais sauvegarder quand même. Il a pas... Ah si, il a loot. Est-ce que c'est faisable ici? Ok. Oh. Ça la loot tout, automatiquement tout. C'est pas violé comme méchanceté dans cette gentille. Il y a de la vie. Attends, j'ai peur de mourir. Ok. Même si les sauvegardes m'ont fait mal au début, non mais carrément. Moi aussi. Exactement. Il est rentré. En vrai, il est. Ah, parce que le deuxième, il est pourri, Alxios, c'est ça? En train de me dire? Ça a rien de le faire, le 2? Il n'y a pas. Il n'y a pas des secrets là? Ça manque de secrets en vrai. Hein. Attends, pourquoi ils auraient fait un trou s'il n'y a rien là-bas? Ils se foutent de ma gueule, non? Non, y'a rien, hein. S'il y a trop de ronces pour qu'il y ait quelque chose. Ok, alors. Là, on peut pas grimper? Non. Le 2 est aussi très bon. Ah, tant mieux. C'est quoi ça?
Bois brumeux, chaud. Attends, on va pas y aller maintenant. On va rester là pour l'instant, nous. On va grimpouser, parce qu'on est des grimpouseurs. C'est quoi ce truc? Une sorte de champignon? J'ai shooté? Comment je l'ai shooté? Oh non, je repop le... J'ai sauvegardé il y a une heure ou il y a 5 secondes? Je sais même pas. J'espère que j'ai pas sauvegardé il y a une heure. Je sais pas où je suis perdu. Ah si, j'ai sauvegardé il y a une heure en fait. Oh, fais chier. On est où là? On a perdu 1000 heures de gameplay. Quel plaisir! Oh là là! Ah oui, c'est un bon jeu ça. Ah ça, on n'en doutait pas, putain. Ok. Ok, on prend juste ça. Je pense qu'aujourd'hui avec les fixes c'est que du bonheur. Ah! Est-ce que du coup il y avait beaucoup de bugs sur le jeu? J'ai un mauvais a priori sur le 2, je l'ai fait au moment de la sortie et le jeu était injouable. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que le 1 il s'appelle Definitive Edition aussi, c'est qu'à mon avis il a dû subir quelques modifications. Oh bah merde. Non! Pardon, j'avais oublié que ce jeu était à chier, excusez-moi. Pendant un moment, je me suis dit, putain, le jeu est bien en fait. Il y a des sauvegardes auto et tout, mais non, il n'existe pas ici. Ok. J'ai même pas fini le jeu, c'était softlock, oh la tristesse. Ok, bon, on va faire une sauvegarde ici hein, pour que le jeu devienne bien et qu'il reste pas aussi pourri qu'il ne l'est actuellement. Ah c'est bon là, le jeu est bien d'un coup. Bon, je vois pas comment je peux péter ça. Oh fils de... Yes. Ok. Ok. On booste. Alors soit ça, mais c'est 2. Les bonus d'énergie récupérés ou 350% d'énergie en plus. L'énergie donne plus d'énergie. Pour l'instant on n'est pas trop en guest d'énergie. Alors que faire plus de dégâts, enfin 2 cibles, on n'est jamais en 2v1 en vrai. Mais bon, ça va arriver. Les 2v1 vont bientôt arriver. Ok, let's go, on y va. Juste, il faut qu'on aille là déjà voir. Oh, c'est des bâtards! Les jeux qui ont coupé le jeu. Ah! Aïe! Ah, y'a le derby! Ah putain! Pas passé exactement ce que je voulais.
Aïe aïe aïe. Mais putain mais... Je comprends pas comment on est censé faire. Autrement j'imagine. Mais putain mais... Mais oui, si tu mets bas, il tombe. Comment je vais en bas moi? Comment je vais moins haut que haut? Ça pour une pastille qui sert à rien, on est d'accord, hein, c'est une bubule. Hein. Une bubule qui donne juste un peu d'XP. C'est la mort assurée. Je pense que Microsoft avait forcé la sortie avec le Game Pass. Ah, mais que le jeu était pas prêt pour l'époque. Ah ouais, tu m'étonnes. Merci les éditeurs, les gros. Merci Microsoft, hein. Bill Gates est vraiment un enfoiré, il ferait tout pour la thune, hein, cet enfoiré de merde. Pire que Jeff Bezos et son joli crâne de Twitchman là. Mais putain, ah je sais où faut aller. Peut-être en diagonale en haut. Ah. Genre là-bas. C'est trop chiant de mort. Tout ça pour un truc qui sert à rien je crois. Hein. Oh aïe aïe. Ok. Bon ça c'est bon, nickel. Bon. Y'a pas un passage secret là par là? On va dire que non. Hein. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas de passage secret. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une bubule là. Aïe. Ok, alors. Droite. Voilà. Ah! Ce bon vieux Bill, sacré Bill. Oh! Un pigeon. C'est pas la première fois qu'on le voit, lui. Tant que Kuro sera dans les environs, nous ne pourrons pas entrer dans les bois brumeux. Cela dit, nous pouvons peut-être détourner son attention en faisant tomber ce rocher. Allez, let's go, faisons tomber des rochers. Ah non, vous abusez là, la cinématique j'ai déjà vu, ça sert à rien. Faites une sauvegarde auto les gars, vous êtes pas dit putain on va créer une fonctionnalité incroyable. La sauvegarde automatique après une cinématique. Ah bah non c'est pas possible ça, ils savent pas faire hein. Les développeurs ils sont trop cons hein. Pardon excusez-moi pour ces développeurs qui sont très bons en graphisme. Et ils galèrent un petit peu sur d'autres trucs hein. Oh là on s'est fait pigeonner. Y'a moyen que ça passe hein. Parce que je me viens là. Ah. Ah bah c'était bon en fait. C'était, je pense que ça passe tranquille. Arrêtez, j'ai le droit qu'à deux coups. Ah. Ah et quand tu touches tu meurs, ok. Oh je pense qu'il y a moyen. Il y a grave moyen je pense. Ah et je pense qu'il faut que je me fasse toucher au départ. Et pas à l'arrivée. Genre là, je prends un saut. Hop. Ah, il était presque. Et ouais, si je me fais toucher au départ, normalement, je garde ma vitesse et je peux atteindre l'autre bout. Ah, merde, de bras. Il y a trop moyen, ouais. Je pense pas que le jeu est prévu qu'on fasse ça, mais je pense, non, je pense qu'il faut que je me fasse toucher aucun des deux et ça passe. Hop là, salut les lames. Non bah je crois que c'est chaud hein. Je sais pas si c'est possible, je pense que c'est possible mais je pense que j'ai pas les capacités physiques d'y arriver. Et si j'arrive. Ah bah déjà. Oh là tout un oiseau. Tout un oiseau.
Shoot un oiseau. Nous, ce qu'on fait, c'est shooter des oiseaux. Il perd une plume. Du coup, on va récupérer sa plume et qu'est-ce qu'on fait? On vole plus haut encore. Comme d'un ouf. Allez, plume ta gueule, mon pote. Il y a moyen, je pense. Tu penses? Là, ça se trouve, là, on va avoir encore plus moyen. Ah, ils nous ont mis là? Vous abusez, les gars. Moi, je voulais pas aller là. Moi, je voulais aller là-haut. Le respect, vous en faites quoi, là? Pourquoi je peux pas sauter? Vous m'expliquez pourquoi je peux pas sauter? Ah, pour choper une plume. Tu vas récupérer la plume de Kuro. Tu deviens... appuie sur A, puis RT. La plume de Kuro te permet de planer librement et de le laisser... Oh, mais on peut voler maintenant. Ok. Ce gameplay qui... Cette diversité de ouf. Mal au pied, peut-être. Je pense que c'est ça. Il a eu mal au pied. Pour un esprit, chaque esprit a mal au pied un jour dans sa vie. Non, bon, c'est bon. On a compris la vanne. Là! Bah, jump, hein. Encore? Encore? Wouh! Ah, j'ai raté ça. Le brouillard des bois brumeux pouvait troubler même l'esprit, je ne sais quoi. Vas-y, je veux descendre, moi, par contre, non? On descend comme des oufs? Ah, les bâtards. Attends, il y avait quoi en bas en fait? Je sais pas. Attends, on va peut-être pas y aller maintenant. J'ai l'impression que ça va être dur de remonter. Ce qui s'égarait, à jamais n'en ressortait. Hey, il nous saute. Oh, mais j'avais pas vu, il y a autant de trucs par terre. Ah, c'est bon. Les bois brumeux. Ah non, mais c'est l'objectif. Je veux pas l'objectif, moi. Et on m'a pris pour qui, moi? Je fais du tout le temps des trucs secondaires. Hein. Je suis secondaire boy, moi, le roi de la secondarité. C'est lui, Sikis. C'est dur, en vrai. On n'a jamais été ici. Attendez, par contre, faut aller à gauche. 1, 2, 3, let's go. Dou, let's go. Je sens. Ah! Aïe, aïe. Ok, c'est bon. Ok, bah très bien. Bon, on remonte, hein. Attends, là-bas. La pulse secret, là. Okay. La pierre carte. Ok. On avance bien. J'aime bien, là, le fait... On avance pas de ouf dans l'histoire, je crois. Un petit peu, quand même. Ok, c'est bon. Là. Oh. On y va, hein.
Ok. Il y a trop de trucs. Là, il y a un secret là, non ? Non. C'est vert. Ah, il y a du vert. Là, c'est bon, GG. Easy. J'avais fait exprès, je l'aurais pas réussi. Sors toi, sors mec, sors mec, sors, sors je t'ai dit. Bah, ici il se déclenche où? Oh, il se déclenche là, là. Il veut pas sortir? Ah c'est bon. Ok nickel. Y'a rien par là? Oh si là y'a un truc. Jamais je peux arriver jusque là-bas, si. Moi je suis full life, y'a moyen en vrai. Y'a rien en fait. C'est une blague? Genre il se foutait de ma gueule, c'était une connerie? Sérieux ça? C'est quoi cette merde? Comment ça s'active? Bon bah dommage. Ah, au mire, au pire, autant mourir, hein. Je veux pas perdre toute ma vie là-dessus. Ok. Là on peut? Non. On continue. D'ailleurs, je viens de remarquer que t'es passé le long de ta chaîne Twitch FTV à F, ça fait longtemps. Oula, ça doit faire un mois, je pense déjà. À peu près. Je sais plus exactement, mais oui, ça commence à faire un peu de temps. Il y a peut-être plus d'un mois, je sais pas en vrai. Boum, il m'a éclaté. Oh. Ok. Il a explosé le machin. Y'a rien là. Y'a vraiment rien, ouais, je pense pas. Ok, là, y'a un truc là, non? Non plus. Salut, la jumeuse. Coucou cochon épique! Bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend? Oui. Hein. Il s'est éclaté lui, ok. Ah, ça sent le truc là, non? Non, ça sent rien. Ça sent bon. Hop là, oh. C'est beau ce jeu, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup. Du coup là, regarde. C'est détente en stream, ça se regarde bien en plus pour le viewer. En tout cas, moi je trouve ça agréable. Ah! Il me fallait un rhinocéros, on va le rechercher. Il est où le rhino? Il est mort. Il va pas repop. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Que du love, qui claque. Hello Ife Love. Qui claque son troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton sub. Et hello à toi, bienvenue. Tac-tac-tic. Tic-tac-touc. Il y a un levier ici. Il faut une grenouille. La grenouille, elle repop. Elle est là. Là, regarde. Elle va monter. Encore. 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 Nickel.
Parfait. Je demande plus. Le talent, ça. El talento. Descendre. Ah, on peut pas aller genre ici là, ça marche pas. Bon. On va booster quoi. Il faut 2 points maintenant. Alors attends, juste que je vois. Augmente la puissance et le rayon de l'éclat de lumière. Augmente encore plus la puissance de la flamme spirituelle. Augmente la zone de dégâts de compétences écrasées. Permet de lancer flamme spirituelle plus rapidement. Augmente le rayon et les dégâts de la flammatisée. Ouais, c'est full dégâts. Soit full dégâts, soit plus d'énergie. On voit la compétence sur la map. Plus de lumière spirituelle absorbée. C'est trop bien. Pour... En gros, une XP plus. Il faut prendre directement ça. Les lumières spirituelles, on est d'accord, c'est de l'XP. Hein. Autant avoir plus d'XP. Parce que plus d'XP vite, plus tu montes vite. Logique. Le Louis Ware. Comment on peut casser ça? On est, c'est cassable ça, non? À quoi ça servirait? Je sais pas. Vas-y, on continue. Hein. Ok, bah je crois qu'on est au bout. Hein. Il y a un secret là, non? Non. Ok. Très bien. Bon, est-ce qu'on peut escalader par là? Non. Attends. Non, c'est pas possible. Autrefois luxuriante, couverte de glace aujourd'hui. Ok. Ceux qui ne les ont pas fui l'ont payé de leur vie. Attends, moi j'ai pas envie de payer ma vie, moi. C'est quoi ça du coup? Ah, c'est un autre donjon. On aurait pas dû faire ça. L'entrée des ruines explorée, c'est là que les Gumons avaient élu domicile. Pour y pénétrer, il vous faut d'abord trouver le sceau des Gumons et traverser les bois brumeux. Ah d'accord. Donc non, on est au donjon d'après. Il y a un donjon à faire avant. D'accord. Attendez, je vais juste prendre la partie de la map histoire de savoir où c'est après. Histoire d'être sûr. Et du coup, on peut faire demi-tour. Ok. On se regarde. Boum. Boum. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On passe par en bas. Ah merde, c'est bloqué. Dommage, bon bah on est obligé de... On peut pas repartir, si on peut, logique. Ok. Ah.
bien. Le mec qui tient de ce jeu. Bah oui, c'est le jeu qui fait vraiment s'inspirer là, comme tu dis. Mais putain de couillous! Oh non, je repop là, sérieux. Au moins, on sait qu'il faut passer par en haut. Ok. Il m'a mis de live ce bâtard. On va save, hein. C'est le moment. Ok. On remonte, hein, ouais, c'est ça. Ok. On peut pas le péter, enfin en tout cas j'ai pas la strat. Y'a quoi là? On remonte, ok. Ok, bon. Nous on doit aller au pigeon. Ah mais c'est vrai qu'on était tombé dans un trou vachement profond. Non. Je suis mort où là? Ah. Ok. Ok. Bon. Bon, là, nickel. Ma heal pas mal. Alors on va se garder ici. Bon, comment on fait? On traverse. En fait je suis Keblo là, non? Ah si, faut que j'utilise les pigeons. On n'a pas fait ici, si. Si on a, on connaît par cœur là, non? Là, on est venu en fait. Bah, c'est très bien. Non, il y a peut-être le tunnel ici qu'on pourrait faire. Je sais pas. Vas-y, faut qu'on le fasse, hein, de toute façon. Je vais me suicider. Bah, on y va tranquille, on y va tranquille.
Là, faudrait juste que j'esquive les oiseaux. Ok. Ok, nickel, parfait. Et là, faut remonter par là. Est-ce que c'est possible? Oh bah nickel. Oh non, sérieux? Il y a un fucking cul de sac. Il n'y a pas moyen de remonter par là. Hein. On va essayer, mais... Il n'y a pas moyen de remonter par là. Bon, vas-y, on se barre. Oh. Oh, la chante. La chatte. La chante. J'ai eu trop de bol. Je comprends rien à ce qu'il doit faire dans ce jeu, mais l'ambiance visuelle est très agréable. Bon, ce qu'il faut faire, c'est ramasser des billes, essentiellement, si tu veux résumer le truc. On est collectionneur de billes. Et puis, on kiffe les billes, quoi. Et puis les billes, en gros, on a l'avantage que les billes viennent directement à nous. Donc ça nous aide vachement à notre collection. On a une sorte d'aspirateur à billes. Et c'est grave cool, en fait. On y est enfin, on est remonté. On va sauvegarder. Voilà. Chante. Chante. Quoi chante? Ça chante? Ça tente, ça chante. J'adore, j'adore, je chante. Oh regardez, il faut qu'on aille à droite, qu'on monte et qu'on plane. Vas-y, droite monte plane, droite monte plane, droite monte plane. Ouais. J'ai voulu dire chat mais j'ai dit chante. Ouais, c'est ça. Ça chante, j'adore, j'adore. Oh, le pigeon là. Encore un voyageur ça. Tchac hein. Tchac. La chatte, ça chante. Oui. Lac, lac. Boum. Non, je mérite. On est où? On est là, ok. Bon là on plane, go, hop, hop. Si je rate, je suis triste. Je suis triste ou je suis pas triste. Boum. Ok, nickel. Papa. On descend, on va à gauche. Chingolu kanama yaba. Obala kanako. Ah.
nickel. Des bois brumeux. Ah, il m'a vomi dessus. Il m'a éclaté la bouliche. Okay. On a explosé. On a explosius. Qu'est-ce que je fais? Je prends... Est-ce que je monte ça ou pas? Les ennemis tapent deux fois moins fort. Ça leur apprendra. Ah, ces petits enfoirés là. De quel bois on chauffe nous? Nous on chauffe avec du bois de cheminée nous. Oh, on est drogué. Oh putain, on est sous champi là. Oh là, oh le kiff. Oh le kiff. Les distorsions là. Là on commence à kiffer là. On aurait pas dû manger les champis là. Après. Tu as obtenu les compétences d'efficacité? Ouais, je suis maître des âmes moi. On m'appelle le Master of the Ammo. Hop là. Touk touk. Cette lanterne voilée, c'est sa mèche. C'est de sa mèche que s'échappe cette mystérieuse brume. Trouvons un moyen de l'allumer. Peut-être y verrons-nous plus clair. Allumer la mèche. Il faut un briquet. Ok. Halloween. Salut Mythopotamie. Ah merde. Non, bande de petits enfants. Oh, ça passe. On voit rien en fait ici, d'accord. La brume des bois brumeux est vachement brumante. Hop là. Ok. On voit vraiment rien, c'est chiant. Oh, on n'a pas la carte quoi. J'ai fait un truc là? Pourquoi ça a bougé? Non. C'est du Tau. 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 Alors, le pigeon là-bas. Ah. Non, mais non, mais non. Mais quel jeu de merde, j'avais oublié. Oh non, refais tout. Tout est à refaire. Putain, c'est vraiment des enfoirés, des mecs qui jouent jeu. Des petits cons. Vraiment, hein.
On va sauvegarder ici, hein, je pense. Hein. Apparemment, j'ai débloqué un truc en allant là. Hein. Un bout de carte. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Willy75 il claque son 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup Willy, c'est vraiment très gentil à toi. Je suis troublé par la... Par là. Je suis troublé. Non, ça monte pas ça. Yo soy muy troubleto. Mm-hmm. Bonjour, c'est Lena. Pendragon 7 DS. Ouh. Oh, un arbre complètement pourri. Voici un arbre complètement pourri. Elle était donc ici. Si nous la portons à la lanterne voilée, peut-être nous montrera-t-elle la voie. Let's go, allons voir la lanterne voilée. Hop là, alors attends, comment on va là-bas nous? C'est pas possible, c'est inaccessible. C'est inaccessible land, on peut pas faire genre... Non. Comment tactique on va à nous là? On peut pas y aller. Non bah, je sais pas, qu'est-ce qu'ils viennent de me dire là en fait? Ah mais ça c'est pas une torche ça, on peut pas l'utiliser ça? Non. Bah, comment on va là nous? Y'a même plus la carte. Ils nous ont dit machin, y'a ça là. Bah, je veux bien qu'il y ait ça là, mais comment on y va? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Non, c'est pas. Ah là, je reviens en arrière, c'est pas du tout bon ça. C'est synonyme de... d'erreur ça. Échec. Échec cuisant là. Ok. Ah bah si, on peut descendre. On a jamais été là, si. Ah si, on en vient de là, non? Là. Oh les bâtards, ils m'ont shooté la goulasse. Ok. Ok, je vais sauvegarder. Je suis content. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je vais. Je sais pas si je suis déjà allé ici ou pas du tout. Pourquoi ça rien? Ah si, là, y'a. On a eu quoi là? Je sais même pas. On a déjà fait ça ou pas? Ça c'est bloqué là, d'accord? Ok. Apparemment, je progresse, hein. On en perd des bulles bleues, hein. Faut que je fasse gaffe. Non.
Il fait 500 kills à la flamme spirituelle, la classe. Un peu bizarre leur truc. Comment on a sauvegardé ça, nickel. Ok, on sauvegarde. Ah bah nickel, on a trouvé l'arbruste. Tatsu escalader les montagnes, surplombant le col du chagrin. Lorsque la torche de son frère se faiblit, elle tomba dans la brume, où elle s'égara, comme Hélène. Tu maîtrises la compétence grimper. Appuie pour l'utiliser, appuie longtemps sur RT lorsque tu es contre un mur. Bon, c'est un peu nul ça. Parce que du coup, on savait déjà grimper, mais. Fallait juste pas mettre le saut. Ah non, parce qu'on peut. Attends, on peut grimper au plafond? Non. Non, on peut pas. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Oh non, faut que je refasse tout ça. Ah non, c'est bon. Merci de la sauvegarde d'auto. Putain, ils ont été malins là. On voit comment ça marche les champignons. Là il reste là si je saute. Ok, ça bouge à chaque saut, très bien. Oh oh. Donc ouais, c'est des portes qui s'ouvrent au fur et à mesure apparemment. J'aurais dû planer. Non. Oh non, on recommence là, c'est vraiment des enfoirés, les mecs ont fait ça, ils sont trop cons. Ah, j'ai sauté pourtant, petit enculé de Houston. Houston, on a vraiment un problème là. J'ai sticky. Putain, kata balaka. Ok. Boum. Nickel, on a la carte. Bon, c'est bon. Ok, c'est parti, on peut continuer. Ah.
Comment je fais là? Ok. Alors, ah. Boum. Très bien. On saute. Olé. Boum. Boum. Ok. Boum. On se garde ici en vrai. Yes. Bah descend. C'est bien ça. Ori est un petit esprit sylvestre blanc. Ouais voilà. Bah du coup on est blanc, on est dans la forêt, du coup oui. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et merci beaucoup Jean Piché pour ces 13 subs. Offert. Attends, ça a pris tout le chat. Ça a rempli tout le chat. Merci beaucoup, Jean Piché, tu gères de ouf. Un sub. Oh, on va dire les gens quand même. Agram, Karsu, un sub. L'écureuil, The Vault, Alexis, Noharan, Ray Guild, Ika, Keotons, Pierre Dig, Candice, Alaska, Dragon Molos et Jean-Loup avec un P. Eh bien, merci beaucoup, Jean Piché, pour ces 13 subs offerts. C'est vraiment trop gentil, tu gères de ouf, monsieur. Monsieur Piche Piche. Et bienvenue à toi. Bienvenue à toi, monsieur le pro gamer. J'espère que tu es en forme. Oula. Nous, on est moyen. Non, si je rigole, on est bien, très très bien. Attends. Bon, bah, y'a rien ici, je crois. Hein. Un bout de carte. On a 4. Yes, au top. Et bah tant mieux. Comment on va là, nous? Je sais, je crois que j'ai une idée. Je descends là. Parfait, nickel. XP ça? Un petit peu d'XP, nickel. Regardez, n'est jamais assez après. Oh, je suis mort. Mange pas les chaussures. C'est trop de balles. Alors, je suis où là? Ok, on est là, très bien. Je sais pas où elle est en fait. Y a rien là. Ha! Oh! Ha! Ha! Il y a vraiment rien par là. Bah du coup, faut que j'aille où?
Bah je pense à gauche hein, j'imagine. Très bien, cool. Ok. On peut grimper là. Bon. 89% des bois brumeux. Là, pour un truc où on voit rien, j'en suis plutôt bien sorti, ouais. Ah, au niveau du pourcentage d'avancement de la zone. Aïe! Non, c'est bon. Oula. Boum, boum, guest, paf, paf. Je suivais pas F sur Twitch avant. Ah, bah bienvenue sur Twitch, maintenant. Comment on fait, nous? On va ici, j'imagine. Ah bah non. Aïe aïe aïe, on s'est pris une grenouille. Oups. Très bien. Bon, ça sert à quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? Je sais pas. Oula. Oh, je suis pas mort. Ah, c'est là. Bon, on y arrive. On y est. Apparemment, j'ai fait le tour. Ça doit être là, non? Ok, je pense qu'on va faire un... Je vais sauvegarder... Ah, j'ai loupé la zone. On s'éloigne de l'objectif là. Là.
y a rien. Ok. Hop là. Bonne nuit en tout cas, Iris. Faites beaux rêves et à la prochaine. Et bonjour Platine. Tu m'as l'air tout pâle. Tu m'as l'air tout pâle, Platine. Ramasser les objets. Qu'est-ce que ça fait? On a une boule. Ah, on peut faire que des monosos. Ah super. Le gameplay s'est drastiquement réduit là. On peut. Non, on peut pas aller là. Ah, j'ai lâché la boule. Ramasse la boule. Attends, lâche la boule. Je vais juste aller là déjà. Ils ont peut-être pas fait ça pour rien. Non, j'ai perdu combien d'heures de gameplay là? Ça va, c'était juste une demi-heure, tranquille. Ah non, j'ai perdu tout ça, c'est le bon temps. La balade de Marius. Ah bah là non. Marius il a l'œil. Bah les couilles frère là. Attends. Yes side. Alors, où arrivons-nous? Le temps passe vite en vrai là dans le jeu. En tout cas là en ce moment ça passe vite. Attends, je laisse ça. Je laisse la boule. Je sauvegarde bien sûr parce que le jeu ne veut pas qu'on progresse à une vitesse normale. Ça mène tout ça. Je sais pas si on est déjà allé là en fait. Non. Je regarde si je peux escalader. Hier j'ai fait 3 wins d'affilée avec un beau gosse nommé F. Ah, avec moi, ça c'est cool. Ça c'est bien ça. Quand tu wins pas tout seul, c'est vachement plus agréable. Ça c'est une quiz, c'est ce qui nous plaît. Bon. Ok go, bon allez on trimballe ça. Ok. J'espère que ça va pas durer trop longtemps leur truc. T'inquiète, ça c'est ce qu'on aime ça. La lose solo, la solo lose. T'as pas à faire de solo queue. Un peu de clarté. Et ah ça y est la lumière. Et la lumière flue. Et la lumière fond. Nous avons allumé la lanterne voilée et la brume s'est dissipée. Ori, le saut légumant s'est révélé à nous. C'est la clé des ruines éplorées. Ok. J'éplore.
Ça marche comment? Tu as trouvé le son d'Aigumon. Le célèbre saut d'Aigumon. Sers-toi de cette clé pour pénétrer dans les ruines éplorées. Bon, les ruines qu'on a déjà vues tout à l'heure, c'est ça? L'élément des vents repose dans les profondeurs des ruines éplorées, au sud d'ici. Ce n'est pas loin, je peux t'indiquer le chemin. Ok mec, merci. Je ne m'en serais pas douté. Merci beaucoup pour le chemin. Salut Ataillé. Con là. Ok bon. Ok. C'est trop chaud mec, c'est marrant que tu dis ça au seul moment où je me rends boucle. Ah, et sauf c'est de l'ironie, ok, je viens de comprendre. Parce que je te fous littéralement de ma gueule. C'est hyper désagréable. Hop là. Alors. Et bah, bonne nuit, que du love. Bonne nuit à tous ceux qui dorment. Et bon réveil à tous ceux qui se réveillent. Bon réveil, ça se dit? Y a moyen de faire un truc peut-être là. On descend. C'est un point d'exclamation géant ça? On y va au point d'exclamation géant? Non, c'est un dessin, c'est pas. Si, c'est un point d'exclamation géant quand même, non? J'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est. Vas-y, on y va. Le levier on l'a déjà fait, on est déjà passé ici en fait, c'est pour ça que je vais vite dans cette zone. On l'a déjà fait tout à l'heure. On l'a déjà poncé. J'ai déjà fait toi le jeu, Jean-Pichet?
Non mais il a l'air trop bien, carrément. Il est grave cool. C'est vraiment un très bon jeu de type vidéoludique. On sauvegarde. Les ruines éplorées. J'y pleure, ces ruines. Elles m'éplorent. Les ruines éplorées, c'est ici qu'il y a eu les Gumons. Ils bâtissent d'incroyables structures et y imprègnent de la lumière de l'arbre aux esprits afin de les protéger. Merci mec. Oh non! Ces Gumons ont été pris dans la glace et n'ont pas pu s'enfuir. Lorsque l'élément des vents a perdu sa lumière, ces ruines sont devenues leur tombeau. Ok. Non. Oh, j'ai eu peur, je pensais qu'il allait me reset hyper loin. Mais ça bute ça, bah, ça sert à quoi de mettre des plateformes s'il les tue? Vous êtes cons ou quoi les créateurs du jeu? Je peux rien faire? Ah merde, bah j'ai raté le dialogue, dommage. Dommage. Il se croque d'ogne. Salut Félistraptorus. Non. Félistraptorus et Aquarelle la licorne. Ah d'accord, on peut marcher au mur là. Oh c'est mal foutu. Là pour aller en haut, faut aller à gauche. J'aime pas les concepts où... Pour aller à gauche, faut aller en haut. Enfin pour aller en haut, faut aller en gauche. Mais bon, c'est pas grave. Non, sérieux? Là c'est inversé, si je vais à droite, ça va à gauche. Oh ils abusent. Ah, comment tu veux qu'on y aille là? Déjà, on va tenter un truc, nous. Bah. Ouf. Ok. 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 Non. Ok. Ok. Voilà. Est-ce que je sauvegarde? Oui. Bien fait. Très bien. Dun dun dun.
Boum. Bien. Ok. Salut, tu connaissais pas Ori? Si, je connaissais, mais j'ai jamais joué. Je n'ai les deux en mode difficile, mais qu'est-ce que c'est beau. Pourquoi mais? Pourquoi mais? Oula. Bande d'enculés. Ah mais d'accord, faut aller là. Du coup faut que je redescende en fait. Ok, on va faire ça. Ah. Salut Arg. Ah. Non, mais putain, mais vous faites chier. Non, c'est pas ça que je voulais. Dans ce monde là, ouais, c'est presque fun. Bon, comment on la lâche? J'ai lâché ça va.
Pourquoi je suis pas attiré là? Je comprends rien. Là, si je vais là, je suis attiré, sinon je le suis. Oui, d'accord, parce qu'en gros, la gravité elle est comme ça. Et donc. Peut-être si je fais genre ça, puis ça, ça, ça. Là, je saute. Non, bah non, mais c'est impossible. On va essayer. Ah là, d'accord, là je lâche. Bah non, mais ça me crame. Oh, une autre route, hein, peut-être. Doudoudoudoudoum. Bim. Doum. Ah, peut-être par là, ouais, de ça. Poupopopoum. Alors. Ouais, mais bande d'enculés. Okay. Nickel. Très bien. On voit ça qu'on XP plus. XP est galère à monter. Casse pas les couilles, je peux pas me battre. J'ai une putain de bulle dans les mains, les gars. Mais t'es pas des mobs quand il y a des bulles. C'est con quoi, les créateurs du jeu. Oh, réfléchis, les gars. Da-di-di-di-di. En fait, la bulle, j'en ai pas besoin ici, non? Pourquoi je perds de la vie? Ouais, derrière les textures. Ok, go. Ramasse. Bon. Let's go! Oh. Oh non, les sauvegardes, j'avais oublié que c'était un jeu de merde avec des sauvegardes à la con! Ok, on y va. Boum, 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 boum. On y va. Y'a elle, Tony?
Bon, nickel. Oh. Do da da do da. On peut voir ce qu'il y a là-haut. Ok, faut qu'on aille trop loin. Ah, c'est dans l'autre sens. Pop là, putain. Mais putain de crapaud, de merdasse, de couille. Sale bite va. Non, 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 j'adore recommencer les choses en boucle, je trouve ça fascinant, quel plaisir de recommencer toujours la même chose, j'adore ça, c'est ma passion. Oh putain, j'aurais dû sauvegarder là-haut. Juste enrobé, oui c'est vrai. Ah merde, ça se casse pas ça en fait. De ma gueule, c'est tout bleu. Le bleu ça se casse. Ah non, ça se casse pas, d'accord. C'est bon à savoir. Il y a du bleu, des fois il se casse pas. Alors comment on fait ici nous? D'accord, j'ai compris. Nyan, nyan. Ah merde, je me suis trompé de côté. Ah merde, il y avait un trou, mais sérieux.
D'accord. On est où là? On a la carte? J'ai fini? Tout ça? Faut aller à droite, c'est ça? Bah go, on avance. Bon, nickel. Oh! Ah, c'est le petit pote. Le petit pote vraiment pote avec nous. Ouais, le petit pote. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde, on saute, on fait quoi? On sauvegarde. Go. Ah, on peut la poser là du coup. Ça se pose ça? Ah, nickel. La pastille, on va le pastiller. Oh. Oh non, un pont magique! Je suis anti-pont, moi, d'habitude. On appuie la pastille? Cet hôtel devait alimenter toutes leurs inventions. Regarde-le donc, maintenant, regarde ce qu'il faut. Quoi? J'ai pas compris. J'aurais pas dû lire aussi vite, j'ai rien compris. Dommage. Oh, il est triste, la petite boule de poil. Enfin, de poule de... boule de peau. Avec des grandes jambes. Grandes jambes. Grand kiff. Nickel. Bam 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 bam. Oh! Ça a sauvegardé, nickel, merci le jeu. Coucou toi! Grande jambe, grand kiff. Grande jambe, grand kiff. Salut lol. Je me demandais si Gumo, c'est ce qui est arrivé ici. J'espère qu'il nous pardonnera le fait que nous ayons survécu alors qu'on ne... que ne sont plus. D'accord. Oh. Oh. Ah, le vent ne pousse pas, d'accord, super. Qui pousse le vent, récolte. Ah, c'est Sein. Salut Sein, comment ça va? L'élément des vents se trouve devant nous, au cœur de cet endroit. Ok, cool. Vachement content. Merci l'élément des vents. Ok. Ces ruines sont les derniers vestiges du Gumon, le rappel du triste sort de ce peuple. Gusmo a perdu ce qu'il aimait. Et est le dernier de son espèce. Nous nous ramènerons. Ori nous ramènerons la lumière pour Nibel et pour la mémoire des Gumons. Ravivons l'élément des vents. Oula, oula. Par ses paroles, il décida d'agir. Je me suis raté une fois en l'air pour planer avec la plume.
mal. Faut aller où? Allez, je sais pas où faut aller. La merde. Ou pas? Je vais crever là. Non, c'est bon. Nickel, bon, ça va. C'est pas si long. Je m'attendais à deux fois plus long que ça, c'est pour ça que ça me saoulait un peu. Mais ah non, ça se trouve, c'est mort. Non, c'est bon. Ok. Des fois, faut pas se fier à la musique. Là, je pense que c'est bon, là. Ils vont pas nous buter, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois rien, les gars. Par là? Je sens que je vais mourir. C'est bon, je vais sauvegarder. Ok, c'est bon. On est sorti de ce merdier. Nickel. Ah!
Un œuf? Un œuf de tyrannosaure? Oula, au revoir. Est-ce que c'est beau? Oh, un pigeon. Un gros pigeon. Un pigeon à ver de terre. Sacré pigeon. Qui fait dire qu'il n'y a que de la joie après tout ça. Le monde est sauvé et la musique nous dit que c'est merveilleux ce qui va se passer. Un goéland, je crois. Ah, oups. Oui, il abandonne ses enfants. C'est un abandonneur. Il laisse ses enfants crever. Tel un gros pigeon. GG le pigeon. Belle pigeonnerie. Ils sont morts, décédés, grâce à l'abandon de leur père et de leur mère. Et la terreur de la vengeance aux yeux blancs. Tous les gens qui se vengent ont forcément les yeux blancs. Avait appris comment, par la lumière, ils avaient péri. Elle n'avait fait que protéger son dernier enfant chéri. La 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 la. C'est bien un jeu où le méchant est gentil. Ça coule. Ah. Ok, d'accord. Il faut être discret. Là, je suis gelé dans l'herbe, ça passe. Ok, nickel. Cette phase. On peut pas créer de lien ici, vous vous foutez de ma gueule. Comment je remonte? Ah, on peut aller dans l'arbre, pardon. À droite? Non, 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 mais. Je sais pas comment aller là-bas, moi. Non, ça pas suffi. Ça pas suffi. Ah.
putain de pigeon de merde. Allez go. C'est chiant de devoir tout refaire à chaque fois. Ouais, j'ai enchaîné les trucs là, j'ai eu du bol. Ah. Putain, fallait aller sous la... Oh, de la merde. Cachette là. Non. Ok, c'est bon, nickel. Bon, c'était juste ça. Oh, y'a un levier. Parfait. Bon. La phase était pas trop longue. Ori, n'oublie pas qu'il nous reste encore à raviver l'élément de la chaleur. La pierre solaire que nous cherchons se trouve sur les hauteurs du col du chagrin. Chevauchons les vents, ils nous montreront le chemin. On a fait 79% de la vallée des vents seulement. Et le chagrin 5% déjà. Incroyable. Ah, je pense qu'on va trouver un truc ici. Ok, nickel. Hop là. Je comprends pas à quoi ça sert en fait la carte, parce qu'on a rien débloqué niveau carte là. Ah si, ça nous donne la position des trucs, mais vu qu'on a déjà tout pris, c'est ça ? Je comprends pas en fait l'intérêt de la carte en fait. On va pas piger. On va où là du coup nous ? On va essayer de choper ça ? Vas-y gros. Ok, ça c'est bon. Il y a une porte à 4 là. Je vois pas comment y aller. Ah, par là. On y sera après. Alors attends, je vais sauvegarder.
Ici d'abord c'est bloqué. Ici y'a quoi? On va en bas, on descend. Hop. Du trace ça. Là on monte, ok, hop. On va peut-être booster un truc. Le bonus d'énergie octroie 50% d'énergie en plus. Les cellules de compétences s'affichent sur la carte. Et sinon c'est quoi? Ça augmente les dégâts, ouais. Alors comment on peut grimper? On peut pas grimper en fait. On peut absolument pas grimper, y a pas de mob. Pas de mob non plus. Ah si, y'a elle. On va l'utiliser. Je pense pas qu'on puisse alors du coup. Peut-être par là, là. Non mais j'ai fait un caca cul. Je voulais ressauter, moi je voulais pas tomber. Je mets le caillou là et que je saute dessus. Ah non, c'est bon. Et là du coup... Peut-être qu'on va là d'abord, non? Regardez. D'accord, ça relie à ça, très bien. Ok, on pousse. Oh, nouvelle bulle bleue! Ça faisait longtemps ça! Ça faisait au moins 8 ans! 8 années-lumière! Bon, du coup, on a pas mal poncé la zone. Là-bas, il reste des trucs. J'aimerais bien aller là-bas. On y va, vite fait. On est où? Ah, on est quand même vachement loin. Le go. Là, on va aller par là. Sûr que c'est pertinent que de toucher à ça, mais bon.
Ok. Oh, j'aurais pas dû y toucher. Super, je le sais maintenant. Il devrait les noter, les leviers qu'on a déjà touchés en vrai. Histoire qu'on s'amuse pas à les rappuyer. Après, des fois, il y a des leviers, ils marchent dans un sens et dans l'autre, mais... Là, en tout cas, celui-là, il est utile que dans un, apparemment. Là on va où? En bas. Là, bah descend hein, nickel hein. Oh, dommage. Okay. Salut à Dude Stark. C'est marrant qu'ils aient fait ça, enfin, quel l'intérêt de mettre la solution juste avant l'énigme. Je vais sauvegarder au cas où. Enfin, j'ai envie de refaire ça. Ok. Y'a pas un trou là? Non, dommage. Là non plus? Non, dommage. Ouais! Bah nickel ça. On va essayer de choper. Non ça, on... si peut-être qu'on peut le choper. Il y a peut-être du vent ou ça m'étonne. Ouais. Il n'y a pas de vent. Ah si, il y a du vent. Nickel. On peut faire ça. Il y a un truc à faire avec ces trucs là mais je sais toujours pas hein. Tu ne peux pas créer de lien d'âme près de tes ennemis. D'accord, parce que j'appuie sur B, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va jusqu'au téléporteur et on... C'est un téléporteur ça? Ou ça c'en est un? Bon, je crois que ça c'en est un, on y va. Comme ça, on va pouvoir s'arrêter là-dessus et pouvoir continuer la prochaine fois sur de bonnes bases. Y'a rien, y'a pas un passage secret. Malheureusement, non. Bloqué, merde. Je suis pas allé au bon endroit. Ok, faut que je revienne. Hop là. Attends, mais du coup, c'est où que je... C'est là-haut, ok.
Dun 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 dun. Regarde ça. Nickel, on a sauvegardé. Eh bah parfait. Eh bah on va en profiter pour faire des gros bisous aux gens qui nous ont suivis sur YouTube. 3h pile. Gros bisous à vous YouTube. À la prochaine pour la suite. Au revoir. Bye bye.